Seule dans le musée, Amel. Nous sommes au musée de Jack l'Éventreur. Oh. Il y a un corps. Moi, ça me fait pas rire, par contre. Ça pue. Hein? Ça pue, hein. Ça sent vraiment fort. Après, je pense qu'elle est capable de... Oh, c'est horrible. Je ne vous cache pas qu'on n'est pas rassurés. Ah, ils nous ont mis un petit ventilo, c'est gentil. C'est... Est-ce qu'il faudrait que je mette un warning, tu penses? Je pense, hein. Attention, âme sensible, s'abstenir. Vous avez pas l'odeur, mais ça pue sa race. On était partie sereine, on s'est dit « waouh », etc. On a moins rigolé les premiers étages. Et moi j'ai envie de te dire que si on regarde le plan là, on sait où on va après. Ouais. Mais ça tenait pas. Oui, j'entends. Je te dis, on dirait un vieil appartement parisien. Tu me laisses passer devant, toi. Je ne te laisse pas. Mais j'ai besoin de faire de l'humour pour. Oui, mais elle chante. Oui. Ça va? Y'a quelqu'un? Non, y'a rien. Y'a rien? Ah, on a vu sur le métro. C'est juste la petite musique d'ambiance. Je pense que c'est la chambre d'une des mortes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Ça, c'est un fauteuil d'époque où je m'y connais pas. La femme. C'est elle qui chante. C'est horrible. Oh, t'inquiète pas que je vais pas m'asseoir sur le lit. Il n'y a pas besoin de mettre un petit mot. Wow.
Salut. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas bien à voir. Ah, le chapeau. Ouais, mais moi je m'arrête là. Je connais les photos, je n'ai pas besoin. Amel découvre la salle mortuaire, je reste ici. Parce que je connais. Et je sais que c'est pas très beau à voir. Oh, chouette. Je préfère rester aux toilettes là, tu vois. Mais la salle mortuaire, c'est non. Je peux pas la salle mortuaire, je suis désolée, mais c'est non. Bon, je ne voulais pas filmer l'après-midi parce qu'en fait, après le musée de Jacques l'Éventreur, on avait une visite, je sais pas vraiment comment dire ça, mais sur les pas de Jacques l'Éventreur, c'est-à-dire qu'on s'est promené à l'endroit de ses crimes avec une personne qui nous a guidés. Et ça se déroulait à Whitechapel principalement. C'est un quartier qui craint énormément et moi je ne voulais pas sortir mon portable, etc. Pendant la visite parce que juste bah, la peur de me le faire voler ou de me faire agresser ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai pas filmé cette visite. On était quand même pas mal tendus vers la fin parce que c'était vraiment des quartiers qui craignaient, voilà, tout simplement. Et après, on a fait notre dernier petit shopping touristique. Du coup, moi je me suis pris... Attendez, bougez pas. Ah, je me suis pris un pull Oxford qui me tentait trop. Voilà, je vais enlever cette étiquette. Mais j'avais envie d'un pull Oxford. Et je me suis pris aussi une peluche. Le teddy de Mr Bean. Je le trouvais trop kiki. Voilà, c'est le teddy de Mr Bean qui tient comme ça, généralement. Il est tout petit. On part demain. On doit rendre le Airbnb à 9h, ce qui fait qu'on commence déjà à faire les valises ce soir. Et demain, normalement, on va faire un petit tour à King's Cross pour la boutique Harry Potter. Et on va sûrement aller au British Museum parce qu'il fait pas très beau. J'étais en train de faire un récap de notre journée. Enfin, de notre après-midi plus précisément. En précisant que je n'ai pas filmé Whitechapel parce que... Parce que ça craint fort. Parce que sortir son portable à Whitechapel, faut du courage. Ah putain, tu filmes. Mais oui, c'est ce que je te dis, j'étais en train de raconter aux gens. Mais les gens, quels gens? Quels gens? Qui sont-ce? J'ai enlevé les étiquettes. Non, j'ai pas voulu parce que je voulais te respecter, je voulais que si tu voulais le montrer, bah tu puisses le montrer toi-même. Bon, on a pris la même, mais moi j'ai pris un bordeaux. Voilà. Tu as expliqué le monsieur chelou qu'on avait vu qui promenait une laisse virtuelle avec rien au bout? Mais je sais pas, ça ressemblait à un tuyau. Honnêtement, ça ressemblait à un tuyau. Ça ressemblait à un gros tableau de plastique. Et genre, t'as l'impression qu'il promenait. Il nous regardait, puis il avait un peu le torse nu. Non, il était complètement. Il était shooté. Il était totalement shooté. Il est passé derrière la guide avec son torse nu, un cap dans les mains, un sac dans l'autre. On savait pas ce qu'il y avait dans le sac. Quelques petits tatouages, le crâne rasé. Et vraiment, un regard. On a fait wow. Can we move, please? Bah on a bougé très lentement quand même, je trouve. Ouais, ouais. On est resté longtemps à cet endroit-là et je me suis dit, c'est pas ouf. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a quand même énormément d'enfants dans ce quartier. Bah, on a vu que c'est un quartier pas cher. Ouais. C'est pas cher, mais... J'ai oublié de dire qu'à un moment, donc, on était sur le terrain, on parlait des meurtres de Jack l'Éventreur et on est arrivé à une dame et la guide nous dit, alors avant. Le square s'étendait un peu plus. Par conséquent, les arbres qui sont dans cette école étaient les arbres qui étaient dans le square. On dit ok, d'accord. Et elle dit bah, c'est là qu'on a retrouvé le cadavre. Donc concrètement, il y a les arbres où il y avait un cadavre littéralement ouvert avec tous les organes qui sortaient. Bah, cet arbre, non mais toute la vidéo sera trigger warning. Cet arbre concrètement a accueilli un cadavre et est désormais dans une école primaire. Mais note pour nous-mêmes, parce qu'Amel trouvait déjà que Shoreditch, ça craignait. Whitechapel, je pense que c'est un level au-dessus. Whitechapel, c'est pire. Voilà. Parce qu'on se dit, Shoreditch, en soi, c'est l'aspect. C'est vraiment le côté tag, c'est le côté rue. Ouais. Mais Shoreditch, c'est un level de... Ça va, franchement, ça va. C'est moins pire. C'est moins pire, Shoreditch. C'est moins pire que Whitechapel. Whitechapel, c'est, je pense qu'on est arrivé vraiment dans le comble du comble. Même en soi, la guide a été super détendue. Moi, j'aurais pas été super détendue. Hein. T'es là, genre Chana pour sa peau et... Et qui vivra verra. D'ailleurs, on a pris le premier métro qu'on a trouvé. On n'a pas cherché
Partir vite, revenir vraiment côté Buckingham, Westminster, je réussis à parler, vraiment revenir le plus vite dans ces lieux quoi. Quelle est la visite qui t'a le moins plu? Moi je dirais le musée de la guerre parce que... Ouais, il manquait trop de trucs. Ouais, parce que j'ai expliqué à Amel que moi quand j'y avais été ado, il y avait vraiment un simulateur de tranchées où tu rentrais dans une tranchée et t'avais des gens morts, des soldats, etc. Et t'avais vraiment une vieille odeur de mort, hein, concrètement. Et ça a été retiré, tout comme le simulateur de bombardement. Voilà, c'est des attractions qui faisaient très peur aux gens, hein. C'est marqué sur le site. C'était vraiment des attractions qui traumatisaient, moi ça m'a traumatisée. D'ailleurs, quand on a commencé à voir le mot tranchée, j'ai immédiatement attrapé Amel en disant, bah, si c'est là, c'est, voilà, pour moi c'est mort. Quoi. Et on est arrivé dans un petit bout de tranchée, j'ai dit, ok, c'est pas du tout ce que j'ai vécu quand j'étais ado. Et on a cherché sur internet, et sur internet, il y avait vraiment ce que j'avais vécu. Mais c'était pas du tout ce que nous on a vécu. Tout ça avait été retiré, il manquait un étage, le troisième. Un étage complètement fermé. Qui avait l'air pourtant intéressant quoi, mais qui ouvrirait qu'en fin d'automne je crois. Automne. Ouais, donc un peu déçu. Et ce qui t'a le plus plu en visite, pas en lieu, en visite genre. Je dirais le musée de l'histoire naturelle. Ah, moi je dirais le musée de la science. Ah, mais... Pour son côté un peu interactif et tout. Ah non, mais c'est sur internet, les dinosaures et tout. C'est vrai que les dinosaures étaient sympas. Ils étaient beaux. On a vu un dinosaure en vrai. Le dinosaure qui bougeait là, il était incroyable. C'est pas n'importe quel dinosaure. C'est pas n'importe quel dinosaure. C'est quel dinosaure? C'est un tyrannosaurus. Très bien. Merci madame pour cette information. C'était le petit point culture. Que font deux dinosaures pour se départager? Oh yeah. Je sais pas. Un tirage au sort. Oh, elle est nulle. Non, elle est bien. Non. Elle est rigolote. Elle est terrible. On a fait du shopping aussi hier, je vous ai pas filmé ça parce que c'est notre shopping. Mais concrètement, on a acheté des souvenirs pour notre famille. Mais vous pouvez retrouver ces souvenirs sur France 2, vu qu'on est arrivé à la télé française. On était en train de se promener, d'acheter nos trucs, puis la télé française. Ah, des françaises! Techniquement, je sais pas si on est passé à la télé. Bah, concrètement, on devait passer hier, on n'y est pas passé. Peut-être aujourd'hui. Je sais pas. Mais des questions, mais à un niveau. Vous avez payé ça, combien? Ça vous a coûté cher? Et le t-shirt de la reine, est-ce que vous l'auriez pris si elle n'était pas morte? Oui. On a manqué le roi. On a manqué Harry et Meghan. On n'était pas loin à chaque fois, mais vraiment. Ouais, des cris. Des cris. On a filmé une voiture de dos, qui était eux. Et on a attendu dans une rue, il y a eu un mouvement de fou, il y a même des gens qui ont traversé, on s'est dit, mais ça y est, ils arrivent. Non, c'était des putains de canassons. Des chevaux. On a attendu bien 10 minutes. Tout ça pour voir facile, des chevaux. Hein. Facile, 10 minutes facile. Oh. Tout ça pour des chevaux. Bon, je te demande pas le lieu que tu as le plus détesté, je pense que Whitechapel rentre clairement. J'ai pas vraiment détesté. En tant que lieu, pas en tant que visite, en tant que lieu à Londres. Ah, c'était pas... ouais. Normalement. Et le lieu que t'as préféré, c'est Camden. C'est Camden, évidemment. Ah oui, Camden, c'est la classique. Ouais. C'est l'endroit des punks. C'est merde. Ma grand-mère a dit que Amel était punk parce qu'elle avait deux piercings. Et des tatouages. Elle a pas vu tes tatouages, je pense. Oh, bah, d'accord. Et moi, mon lieu préféré, ça reste Covent Garden. Je suis désolée, je trouve que le quartier artistique est incroyable. Et c'est plus calme. Et on a acheté des très bons chocolats chauds et des thés. On a acheté de très bons thés, ça. Ça, c'est vrai que les thés étaient incroyables. Ils étaient chers, quand même. Mais il y a la dose de thé. Pour le rapport qualité-prix, ça reste... Voilà, ça reste raisonnable. C'est du haut de gamme, mais ouais. Raisonnable. C'est du haut de gamme raisonnable. C'est plutôt bien résumé. Et fun fact qui nous est arrivé, on a reçu un message de l'Eurostar pour nous dire qu'on nous avait déplacé dans le train. On n'était pas à côté en fait, on a pris nos places séparément. Okay, et désormais nous sommes à côté dans le train. Le hasard des choses fait que... Elle me menace pour avoir la place que pour ce... Bah bien sûr. Tu n'auras pas. Ça se négocie pour le petit. Ok. Je paierai par carte, j'ai plus d'argent. À une tour. Non par contre ça faut qu'on en parle. Le fait que moi, quand je suis allée à Londres il y a 4 ans, le fait que sur 400 balles, on m'a pris
environ 30 euros. Et que là, sur 400 balles, on nous a pris plus de 100 balles, ça c'est sûr. Franchement. En tout aussi. On a perdu 40 balles la première fois. On est arrivé à 100 balles. Hein. 80, à peu près 80, presque 200 balles, au moins 80. C'est. Le pas, nous a monté un truc incroyable parce qu'il y a eu le Brexit. Donc, en soi, la vie n'est pas très chère ici. Par contre, oui, ça on peut le relever. On a fait nos courses au Tesco. On en a vraiment eu pour pas cher. Pour rien du tout. Les fruits. Ah, faut qu'on parle des fruits. Mais les fruits anglais sont incroyables. Mais ils sont pas chers. Ah, on a bouffé du raisin, les gars, je vous dis pas. Du raisin, des myrtilles, des framboises pour rien. La salade, 50 centimes. Elle nous a duré la semaine. Non, vraiment. Ce qui nous a coûté le plus cher, je pense que c'est les céréales, peut-être. Je pense que c'est ça qui a dû nous coûter le plus cher. Ou le poulet. On s'est pris un petit peu de poulet, mais on a pris 4 morceaux de poulet et ça a coûté 3 quoi pounds. 3 pounds. Ouais. J'ai posé ma fleur, déjà, à côté d'un Paddington, avant que ce soit interdit. Parce que maintenant, il n'y a plus le droit ni au Paddington, ni au sandwich à la confiture. En même temps, je me dis, les SDF, ils ont dû se régaler s'ils passaient par Buckingham. Oui, il y a de fortes chances. Franchement, le mec du Airbnb nous offre une nuit. Ouais. Quand on reviendra. Donc ça, c'est chouette aussi. Rien à redire là-dessus. Il a été nickel, l'appartement a été vraiment chouette. On n'a pas eu à s'en plaindre. Il n'y avait pas la Nespresso. Il n'y avait pas la Nespresso, on va lui dire demain. Elle est où la Nespresso? Et le jardin, c'est un jardin communautaire, donc il n'est pas du tout entretenu. Mais ça, il y a plein de jardins comme ça à Londres. Et en soi, le nôtre n'est pas le plus dégueulasse de ceux qu'on a vus. Niveau transport, on a pris une bonne carte qui nous a bien servi. On l'a rentabilisée, la carte de transport. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Non, oui, ça, par contre, c'est validé quand même. Et la plupart des musées étaient gratuits. Le plus cher qu'on ait fait, je pense que c'est Jack l'Éventreur aujourd'hui. Qui nous a coûté 18 euros, je crois. Mais le musée de la science, le British Museum demain, le musée d'histoire naturelle, tout ça, c'était gratuit. Ouais. Alors qu'en France, ça s'arrête à 25. C'est 25 ans. Alors qu'ici, c'est gratuit, quel que soit ton âge. Mais non, c'était un très bon voyage. Moi, je regrette pas. Non, c'est très bien. C'est bien amusé. Ouais. On a beaucoup marché. Alors, si, un truc qu'on peut dire, on a très peu mangé anglais. C'est incroyable le nombre de restos indiens et italiens, surtout, qu'il peut y avoir en Angleterre. Il y a un restaurant, quand la reine est morte, il y avait tellement personne qui est avec nous. Ils avaient ouvert pour nous. On était les seuls à avoir réservé une table. Matin, British Museum. Et après-midi, on verra King's Cross, Abbey Road. Ouais, c'est vrai. King's Cross, Abbey Road. Mais on reste dans les environs de la gare parce que on a reçu un message comme quoi attention, les transports, ça allait être compliqué demain avec tous les touristes qui arrivaient. Je filme une dernière fois à l'appartement. Regardez, c'est mon neveu. Ouais, voilà, c'est fini. Non, mon fils. J'ai pas touché à ton fils! Ouais. C'est pas de ma faute si t'as une mère aigrie, hein. Je te le dis tout de suite, t'es dit. Pourquoi parler sur moi? Moi? Parler sur toi? Oui, toi, parler sur moi. Mais enfin, une bourgeoise pourrie gâtée ne parle pas sur les autres. Ah, je me suis pris une vague de haine hier. Il y a un gars, il a trouvé mon blog. Et vraiment, il a déchargé. Toute saine, concrètement. Je me suis pris des uppercuts là, enfin, dans le vide, parce que. Mais voilà, c'était. Waouh! C'était une petite blanche bourgeoise pour gâter. Il fallait pas que je parle de combat sur ma chaîne parce que je ne sais pas ce qu'est un combat. Et oui, alors que lui, il sait. Et il a limité mon travail à 2 articles en disant que c'était pas du tout travaillé. Devinez sous quelle vidéo? Sur une vidéo où je parle de la censure aux États-Unis, et l'autre c'est sur le roman où les droits vont à une association pour aider les étudiants. Donc vraiment il a bien choisi son article. Aujourd'hui on dépose les valises en consigne, après on va au British Museum, on va manger parce que j'ai réservé un restaurant, un italien pour la troisième ou quatrième fois du séjour. Ouais. Écoutez, hein. Et puis après on fera comme on voudra l'après-midi. Amel, j'ai pas envie de partir, on fait quoi? On reste. Je pense que Costa, il nous accueille. Mais il aura l'autre de partir. Oui, bah oui.
D'ailleurs, ils sont pas du tout tombés au parfait moment, quoi. Say yeah! Yeah! Say yeah, yeah! Yeah! So just you with the sunglasses on the balcony, say yeah! Yeah! Oh. They're on the balcony. They're on the balcony. Alcoholics, say yeah! Yeah! Is that a kid say yeah? I heard a kid say yeah. Audience, are you ready? Yeah. Audience, am I ready? Thanks, kid. Everyone else said no, but this kid's my number one fan. All right, I'll do it for you, kid. Here we go. Audience, count down with me from 3 to 1. 3, 2, 1. Downhill, downhill. Hi, kid. Hey, kid.